Au milieu des turbulences environnantes, au milieu des difficultés que tu rencontres, cherche et tu trouveras le calme qui sied à ton désir. Tu trouveras et tu entendras la voix de tes ancêtres. Au milieu d'une civilisation occidentale dominante, au milieu d'un monde dominé par la course effrénée vers le matériel, cherche et tu trouveras l'équilibre nécessaire à ta vie. Cherche et tu verras qu'il y a bien d'autres choses plus importantes. Au milieu de ces croyances envahissantes qui ne te ressemblent, au milieu de ces promesses d'un monde meilleur qu'ils ne connaissent pas, cherche, cherche et trouve ta voie spirituelle, celle de tes parents, celle de tes ancêtres. Le roi Joya, dès 1915, l'avait compris. Il avait proposé au Bamoun et au monde le monarque éclairé, qui nous invite à un retour aux sources, à un retour à nos racines spirituelles. Nwankwata. En étant toi-même, tu restes en accord avec l'univers. Il est temps. Il est temps. Réveille-toi. Réveille-toi. Cherche et tu trouveras la voie nouvelle et royale. Cherche et tu verras qu'avant l'arrivée de l'islam et de la chrétienté, l'esprit de nos ancêtres savait dominer la matière. Et les nôtres avaient déjà une conception du sacré. Les anciens étaient déjà en connexion avec l'esprit de la création du monde. Ils étaient déjà en phase avec les éléments de la nature. Nous étions déjà en harmonie avec les éléments du cosmos. L'Afrique était déjà au cœur de la connaissance de l'univers. Ce que tu cherches royalement, tu trouves fièrement.